Cindy Van Der Oura, famille nombreuse, sa Camille est atteinte d'une maladie chronique. Cindy Van Der Oura et son mari Sébastien sont à la tête d'une gigantesque tribu composée de 11 enfants et d'une soixantaine d'animaux. Leur quotidien, riche en péripéties, a fait le bonheur des téléspectateurs de familles nombreuses. La vie en XXL sur TF1. La mère de famille se confie aussi régulièrement sur Instagram. Que ce soit pour démentir des rumeurs, pour faire part des problèmes rencontrés par ses enfants ou encore pour raconter les étapes importantes de leur vie. Le 6 septembre dernier, l'infirmière avait partagé son chagrin, mais aussi sa fierté. En annonçant que son aînée, Camille, quittait le nid familial. Ce 14 novembre. Elle a de nouveau parlé de sa fille, pour expliquer cette fois qu'elle était atteinte d'une maladie chronique. Un an nous sépare de cette photo. Jour où nous avons appris ce qu'il se passait réellement. A-t-elle d'abord écrit en légende d'une photo prise à l'hôpital. Camille est diabétique de type 1. Le choc, elle a alors cru que tout s'effondrait et qu'elle devait dire adieu au sucre. Mais elle a su se relever. A appris à gérer, à en faire son quotidien, à en faire une force. Elle a dû couper ses longs cheveux qu'elle perdait par poignets. Un moment très dur à vivre mais elle a relevé la tête. Elle a même transformé son capteur en bijou. Point. Virgule a expliqué Cindy Van Der Oura avant de s'adresser aux mauvaises langues, non elle n'est pas bête, elle ne met pas sa montre au bras. Non ce n'est pas normal car les parents sont gros. Elle l'a contracté suite à l'injection du vaccin. Voilà, un obstacle qui survient sur le chemin de la vie. Mais qu'elle a surmonté avec brillance. Point. Virgule a poursuivi cette maman fière. Camille, pour sa part, s'est exprimée dans les commentaires de cette publication. Merci pour tout votre soutien qui m'a aidé à me relever plus rapidement. Je vous aime. A-t-elle écrit à ses parents. Une famille soudée.